Mes chers collègues, mes lecteurs, notre pays a 23 bassins fluviaux, 1165 cours d'eau, 400 milliards de mètres cubes d'eau de surface, 13 milliards de mètres cubes d'eau souterraine et 1988 millimètres d'eau fluviale par an. Mais nous n'avons pas d'eau dans nos robinets, autant dans la capitale que dans les hameaux les plus reculés de la Guinée. En dépit de nos 25 millions d'hectares de terres agricoles et de nos 13 millions d'hectares de terres arables, nous importons le riz avec lequel nous préparons nos repas quotidiens. Nous avons un accès limité à du poisson toute l'année. Pourtant, nous avons 300 km de littoral sur l'Atlantique. Nous n'avons pas accès à la protéine pour tous et à tout moment, alors que le pays compte 8 millions de bovins, 6 millions d'ovins et de caprins, 40 000 porcins et 32 000 volailles de race locale. Nos marmites et nos ustensiles de cuisine proviennent du recyclage de nos forgerons, alors que notre sous-sol renferme 40 milliards de tonnes de bauxite et 2 milliards de tonnes de fer. En dépit donc de notre potentiel, de nos potentiels naturels, notre pays peine à fournir à la population guinéenne les services sociaux essentiels de base que sont l'école pour tous, et de qualité, de l'eau, de l'électricité et des soins de santé de qualité. Alors que la diversité climatique, topographique et géographique fait de notre pays la synthèse de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus beaux pays d'Afrique, nos fils, frères et sœurs meurent de soif dans le Sahara, se noient dans la Méditerranée ou le Rio Grande, et ceux qui survivent finissent parqués comme du bétail dans les prisons à ciel ouvert de Lampedusa ou dorment dans les mosquées de Bronx. Après 66 ans d'indépendance, avec 6 présidents et 17 premiers ministres dont la moitié sont des économistes et aucun des sciences sociales, il est temps que les sciences sociales et en particulier la socio-anthropologie parlent pour disséquer ce paradoxe et suggérer des axes réduits mais pertinents, des modifications structurelles et institutionnelles pour faire de la Guinée un pays prospère. C'est l'objet de mon essai. Mes très chers collègues, amis et lecteurs, ce dessin diagnostique notre mal et propose quelques pistes d'action. Ce diagnostic dit que la Guinée souffre de 3 grands problèmes qui se multiplient et se métastasent partout. 1. Il s'agit de la faiblesse en quantité et en qualité des ressources humaines qui résultent des dysfonctionnements de notre système éducatif. 2. Il s'agit du désordre de notre administration publique qui provient autant des structures mal pensées, d'un fonctionnement non normalisé et de ressources humaines qui n'ont pas le profil des postes occupés, à qui il n'a pas été dit ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. 3. Il s'agit de l'existence d'un système politique non adapté à la socio-anthropologie du pays, avec des dispositifs institutionnels qui fabriquent des monarques présidentiels, des partis politiques et un système électoral qui instrumentalise les ethnies
où les uns utilisent les autres comme tremplin pour accéder au pouvoir et non pour asseoir des règles démocratiques. Mes très chers collègues, amis électeurs, ce essai fait quelques propositions qui proviennent de l'immersion socio-anthropologique de l'auteur au sein de l'appareil d'État durant une année, 2 mois et 4 jours. Ces propositions ne sont pas ce que les experts du développement font sous la forme de copier-coller d'un pays à un autre dans leurs rapports ou les formules, ni les formules que les acteurs politiques avancent sans les étayer. Quelles sont les grandes propositions? La première et la plus importante pour moi est la qualification de notre système éducatif en agissant sur 3 leviers. Le premier levier est structurel et doit porter sur la cohérence systémique entre les 3 paliers du système éducatif et à l'intérieur de chaque palier, la cohérence institutionnelle qui agit non seulement sur les cycles, les finalités attendues pour chaque palier, mais aussi pour accélérer le changement. Si vous prenez la peine de lire en détail mes propositions, vous verrez que je propose de rendre au chef d'établissement, directeur d'école, principal, proviseur et président des universités, et non plus recteur, la totalité de la responsabilité de la gestion académique, administrative et des ressources humaines. Pour assurer la cohérence systémique, je propose que les programmes du lycée soient en adéquation avec ceux du supérieur. Au lycée, on devrait avoir une série scientifique avec 2 options. Les sciences exactes avec maths, physique et chimie, les sciences expérimentales avec biologie, zoologie, géologie et chimie. Dans la série des humanités, 2 options. Les sciences littéraires, littérature, langue française, langue vivante et linguistique, et les sciences humaines et sociales, philosophie, sociologie, histoire et géographie. Je propose qu'il y ait des lycées techniques et professionnels. La Guinée a arrêté ses lycées techniques depuis la Première République. Dans ces lycées techniques et professionnels, je propose qu'il y ait des sciences et techniques de gestion managériale, une option. Une option des sciences, technologie et informatique, et une option des sciences et techniques agronomiques et vétérinaires. J'ai aussi proposé d'avoir des écoles de métiers, d'avoir 2 types d'écoles, de professionnels, des écoles de métiers. Des écoles de métiers pour les demandeurs d'emploi et dans les secteurs professionnels à fort potentiel d'emploi. Et les écoles de métiers de créateurs de richesses nationales. Au niveau du supérieur, je plaide pour que le premier cycle du LMD, dont je suis un des acteurs, ne soit plus disciplinaire, mais pluridisciplinaire, car le système actuel génère trop de lacunes transversales, pose des problèmes d'insertion et empêche d'avoir des enseignants du secondaire pouvant enseigner plus d'une matière au collège et au lycée. La bonne politique consiste à concentrer les études de second cycle, master et doctorat dans 4 universités. L'université Gamal Abdel Nasser pour la médecine, la pharmacie, l'odontostomologie, les sciences et l'ingénierie. L'université Jean Lansana-Conté pour les sciences humaines et sociales, les lettres, les langues, les sciences économiques, juridiques et politiques. Et l'ISAV de Farana pour tout ce qui est lié à la terre, aux eaux, à la forêt et à la santé animale. Et l'ISEC pour tout ce qui est en lien avec les sciences de l'éducation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici une très vieille proposition de regroupement, de spécialisation des IES et de synergie entre les IES, les IRS et les CDI. Je sais que c'est une réforme difficile, car certains ici l'avaient proposée et impossible de la mettre en œuvre en raison des considérations financières qui se rattachent à cette réforme. Pourtant,
C'est indispensable pour accroître l'efficacité du système. Le second levier sur lequel il faut s'appuyer doit porter sur les orientations des programmes offerts au niveau de chaque palier, en changeant le paradigme pédagogique des enseignements et des apprentissages pour asseoir une culture d'apprentissage en autonomie, génératrice d'un esprit critique et de savoir-faire. Le troisième levier doit porter sur la qualification des ressources humaines, en procédant à des réformes sur les référentiels de compétences et de certification des métiers, de l'enseignement et du chercheur. Du point de vue de l'administration publique, la réforme suggère de simplifier, catégoriser, rationaliser les structures centrales et déconcentrées de tous les ministères en procédant à un toilettage et à une adaptation et à l'application effective de la nouvelle loi révisée portant sur le statut de fonctionnement de l'administration publique. Pour une administration efficace, je propose 6 orientations majeures. 1. Le premier principe est de soumettre tout recrutement à une procédure ouverte, une sélection des meilleurs candidats parmi ceux qui ont le profil du poste ouvert. Le second principe est de distinguer définitivement la fonction publique centrale et celle locale et décentralisée. Le troisième principe est de distinguer les postes qui sont accessibles avec des contrats à durée indéterminée et ceux pour lesquels le poste est à durée déterminée. Le quatrième principe est de mettre fin au monopole du ministère de la fonction publique dans le recrutement. Non seulement chaque ministère doit être le porteur du recrutement pour la détermination du profil, du nombre, de la période, des personnels à recruter, mais chaque ministère doit avoir l'autonomie pour élaborer les critères sur lesquels les recrutements se feront, mais aussi participera à toutes les étapes de la procédure. 5. La cinquième réforme majeure dans le recrutement et la gestion du personnel consistera à arrêter les mutations des ministères des Finances, du budget et de la fonction publique dans les ministères sectoriels. Il faudra aussi faire élaborer et adopter un manuel de procédure de l'administration publique qui décrira l'ensemble des activités dévolues à chaque direction, à chaque section et à chaque poste de travail. Ce manuel ne devra pas être des descriptions vagues et générales des activités, comme ce fut le cas avec la réforme de 1985 à 1989, mais un contrat de travail lié à chaque poste, un instrument d'évaluation, un cadre de performance. Mais toutes ces mesures ne permettront pas d'avoir des cadres compétents pour la fonction publique si l'on ne procède pas à l'adoption d'une nouvelle grille salariale qui s'aligne sur celle du secteur privé et comme celle qui valorise la compétence, stimule la performance, récompense le travail et le mérite. Pour assurer la transparence de la gestion des ressources financières et humaines de l'État, je propose la mise en place d'un dispositif de gestion et de contrôle à partir de 4 plateformes de gestion de la dépense publique. 1. Une plateforme de la gestion du budget. 2. Une plateforme de la gestion des investissements. 3. Une plateforme de la gestion des ressources humaines. 4. Une plateforme de la gestion des marchés publics. Chaque plateforme aura des composantes, en autant de ministères sectoriels avec 4 codes d'accès et le verrouillage pour chaque ministère sectoriel. Du point de vue politique, je suggère de modifier le système politique de la Guinée. Au lieu d'un régime présidentialiste avec un monarque présidentiel, la Guinée devrait se doter d'un régime politique de type présidentiel avec un ticket, président et vice-président, sans un premier ministre, comme dans les modèles des pays à type présidentiel. Pour dépoussiérer la vie politique et rendre la compétition équitable entre les différents protagonistes, il serait souhaitable, étant donné qu'il s'agit d'un régime présidentiel avec une séparation nette des pouvoirs, qu'il soit établi la possibilité de candidature indépendante à toutes les élections présidentielles, législatives et locales. Pour éviter la toute-puissance des chefs des partis politiques, il est nécessaire de supprimer l'élection à la proportionnelle des députés, pour n'avoir que des députés élus dans une circonscription électorale, dans un mode électoral majoritaire. Dans ce système,
aucun des élus ne devrait pouvoir changer d'étiquette politique en quittant son parti pour rejoindre un autre parti en cours de mandat ou créer un groupe politique en cours de mandat. Dans cet essai que je vous recommande vivement d'acheter et de lire, tous les jours, matin, midi et soir, comme le Coran, vous trouverez ce que j'ai vu, entendu, vécu, ressenti, analysé durant mon parcours administratif de la salle de classe au poste ministériel où j'ai passé une année, 2 mois et 4 jours. Enfin, les problèmes que vos prédécesseurs n'ont pas pu. Aux futurs décideurs que vous êtes, vous trouverez dans ce essai votre inspiration pour un projet de société fondé sur la réalité guinéenne et non pas des formules toutes faites qui circulent d'un pays à un autre. À vous tous et à vous toutes, je vous recommande d'acheter cet essai et de le lire pour peser sur les orientations de vos décideurs actuels et futurs afin d'arrêter de tourner en rond sans résultat aucun en s'imaginant une malédiction sur la Guinée qui n'existe pas. Je vous remercie.